Moussoubou, il n'a pas traîné sur cette vision. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu de la rectification. Mais comment peut-on atteindre les objectifs de Dieu si nous ne sommes pas en faisant ce qu'il a prévu? C'est pourquoi je veux vous parler de l'importance du zèle. Ce matin, Dieu nous dit, Ephata, réveille-toi de ton zèle comme arme offensive. On a souvent combattu, on combat toujours les démons, on les combattra toujours parce que les démons sont faits pour voir la gloire de Dieu. Mais avec quoi vas-tu combattre les démons? Nous allons voir ce matin quelle est la place du zèle dans ton armée. Nous prions. La prière est un élément de l'armure. Le jeûne est un élément de l'armure. Mais tant que ton armure n'est pas complète, elle n'est pas complète ton armure, tu auras du mal à avoir des victoires. Tu auras du mal à combattre. Quelle est la place? Est-ce que le zèle est à sa place dans ma vie? Alléluia. Est-ce que le zèle est à sa place dans ta vie? C'est avec le zèle qu'on avance, c'est avec le zèle qu'on bâtit, c'est avec le zèle qu'on atteint une certaine attitude, je vais dire ça. La définition du mot zèle en grec signifie zélance. Qui signifie agitation de l'esprit. Ardeur. Une ferveur de l'esprit. Beaucoup parmi vous, vous allez vous rendre compte que, vous savez, le zèle dans le monde de l'esprit, c'est une capacité, en fait, une capacité de mobilité. Or, quelqu'un qui est engourmé dans la boue, et qu'il en face de soi un adversaire qui veut le tirer dessus, et l'autre qui en fait peut facilement est mauvais. Vous comprenez que c'est celui qui est là où se place. Il peut être costaud, il peut être fort, mais tant qu'il ne peut pas sortir de cette poule-là, voilà. Et c'est le problème de beaucoup d'arbitres. Beaucoup parmi vous, vous luttez, vous combattez, mais vous n'avez plus le zèle. Vous n'avez qu'une partie de l'armure. Et il en est aussi le même d'une communauté. Le zèle. Le zèle. Ce n'est pas, comment dirais-je, en fait, tu n'as pas le choix. Il y a un terme que je cherche. Ce n'est pas une option. Voilà. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Tu ne peux pas vivre dans l'enlèvement, être debout sans nos ailes. Tu ne peux pas. Satan va te détruire. Alléluia. Et il est important que chacun d'entre vous soit que vous vous retrouviez dans la présence de Dieu, Seigneur, revenons à ton zèle, ou alors je retrouve mon zèle.
pour rendre compte. On a, parce qu'on va voir, c'est quoi le zèle dans la, pour le chrétien, on va voir ça tout à l'heure dans la vie. C'est une guerre réelle. C'est nous qui entrons dans son programme. Ce n'est pas lui de rentrer dans notre programme. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu,
La partie, la dernière partie m'intéresse. C'est celle que je vais, sur laquelle je vais insister. Par les armes offensives et défensives de la justice. Les armes offensives et je voudrais vous dire que ces armes offensives, ce n'est pas un Kalachnikov, encore moins un missile, ça n'a rien à voir avec les armes physiques. En vérité, là où tu dois avoir les armes offensives et défensives. Tu dois les avoir. Et tu dois en être conscient que tu les as. Tu dois en être conscient. Amen. Tu dois être conscient. Dernièrement, quand j'étais... Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est en fait... Est-ce que tu es conscient de tes armes offensives et de tes armes défensives? Est-ce que tu en es conscient? Les armes spirituelles, elles sont plus puissantes que les armes physiques. Amen. Avec les armes spirituelles, quand tu as une relation en bon terme avec Dieu, quelqu'un te vise, il vise sur toi un pistolet, il brasse sur toi un pistolet, il tire, l'ange va bloquer la balle. Amen. Amen. S'il tire, la balle va d'ailleurs. Parce que la puissance spirituelle, elle est supérieure à la puissance matérielle ou physique. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Église, comprenez que vous avez des armes offensives et des armes défensives. Mais la question, est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? C'est pourquoi je parle du zèle. Là, nous sommes sur le terme de zèle. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. La justice. Mise à la disposition de qui le dit. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de soldats, d'armes, des armes là-bas en haut. Parce qu'il a chassé le diable. Il a été exclu du ciel. Au ciel, c'est la paix. Amen. C'est dans le repos, il n'y a pas de guerre là-bas. Donc, il n'a pas besoin d'armes offensives et défensives. C'est vous et moi sur la terre qui avons besoin de ça. C'est pourquoi il a mis cela à notre disposition. Et c'est toi qui as la responsabilité de les utiliser. Si tu ne les utilises pas, l'ennemi va t'attaquer. Et vous dites, mais je ne comprends pas, je prie, je fais ceci, mais je ne comprends pas, ma vie ne change pas, qu'est-ce qui se passe? Et pour le monde, c'est qu'en fait, tu n'utilises pas en fait là où il faut. Au lieu d'utiliser par exemple les armes offensives, toi tu les armes défensives. Au moins, quand tu es là, par exemple, défensive, tu utilises l'arme offensive. Ou même parfois, tu n'es même pas conscient que tu les as. Tu n'es même pas conscient. Tu n'es même pas conscient. Amen. Amen. Je vais rendre ce témoignage pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Les armes offensives. Pendant que nous faisons le travail ici, il y a notre fils, Kabine. Il commence à se plaindre des douleurs au niveau de ses bourses. Pendant la période de décembre, il commence à se plaindre. Et c'est comme ça que tout de suite, le dame me dit, ah, tu fais le travail que les autres là. Tu vas dans ta propre maison maintenant. Le diable, c'est un bandit. Hein. Donc, il faut connaître la parole. Et puis, bon, je suis allé voir un des collègues, et puis qui m'a été dans un centre de santé. Et là-bas, le médecin diagnostique, on n'a pas encore comment.
une hernie. Alors, et puis il nous envoie à, on appelle ça comment, il nous envoie au CHU de Jean-Légory. Alors, le médecin, il vérifie tout, il touche. Quand il touche, il crie effectivement, il crie, puisqu'ils savent comment toucher pour diagnostiquer. Alors, je vous parle de ça, je vous parle des armes offensives. Là, il n'était pas question d'armes défensives, mais d'armes offensives. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Le médecin nous a donné des fiches pour faire les examens. Alors, et c'est alors que je suis allé faire les examens. Et il nous a donné une semaine. On devait repartir la semaine suivante. Et ça me donnait assez de temps. Ça me donnait assez de temps, on va dire ça comme ça. À ce temps, dans la prière, bien sûr. J'ai appelé mon fils dans la chambre. Déjà, sa mère a prié. Moi-même, j'ai encore prié. Je n'ai pas dit, Seigneur, bien. On a utilisé ce qu'on appelle les armes offensives. Armes offensives. J'ai dit, Satan, aucun bistouri ne va déchirer le corps de mon fils. Nous refusons que le sang à nouveau coule. Parce que quand on déchire, le sang coule. Amen. Amen. Nom de Jésus. Des armes offensives. Nous sommes repartis la semaine dernière. Présenter on appelle ça comment? Les résultats. Le docteur, il dit, mais l'enfant est en bonne santé. Amen. Tout va bien? Amen. Alléluia. Mais quand j'ai appelé même mon collègue, en fait, voici la série d'examens que je m'en ai dit, oui, c'est pour. Ce sont des examens post-opératoires. Pré-opératoire. Quand les gens ont entendu pré-opératoire, le mot là, je ne peux pas entendre le mot là. Ouais, c'est vraiment cette série qui parle en tant que médecin, en tant qu'homme. Amen. Église! Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que là, nous avions en fait deux choix. Satan me présentait, tu vas l'argent. L'opération, c'est qu'en fait, il faut sortir pour prendre l'argent maintenant. Pour aller faire opérer quelqu'un. Alors qu'on en a besoin pour d'autres défis. Satan, tu es un menteur. Au nom de Dieu, tu es un menteur. Arme offensive. Alléluia. Amen. Et il est là-bas. Jamie, lève-toi. Lève-toi, Jamie. Voilà. C'est bon. Amen. Le nom de Jésus. Arme offensive. Église. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant, vivant. Église. Le Corinthiens 6 ici nous dit que vous avez des armes offensives et des armes défensives. Il n'est pas dit que les pasteurs ont des armes offensives. Armes, on appelle armes offensives. Elle, lève-toi. Oui, c'est toi. C'est maman directe. C'est ma maman. Et l'autre qui est à côté aussi, maman Victorine, elle avait une maladie qui l'avait amenée à faire plusieurs initiations. Elle avait été, elle a été enseignante de carrière. Je n'étais qu'un simple disciple. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. J'étais encore sur le banc de l'école. Et cette maladie qu'on lui avait, que ses collègues lui avaient donné dans le cadre du travail, hein, c'était ça, non? Voilà.
comme c'était une femme pétillante dans sa jeunesse, attirant les regards des hommes. Et là, le terrain était bien miné, j'ai envoyé un missile. Elle est allée à gauche, à droite, initiation ici et là. Ça n'a pas réglé le problème. Quand on a prié pour elle, je me souviens, nous avons aussi prié pour elle. Elle aussi allée à Bethanie. Elle a été délivrée d'une maladie qu'elle avait portée pendant combien d'années? 19 ans de maladie mystique. 19 ans. Vous comprenez cela? Amen. Vous pouvez t'asseoir. Je ne peux pas savoir combien de fois vous pouvez être, vous êtes ce qu'on appelle en fait, vous êtes les Moïse de vos familles. Amen. Quand Dieu te fait la grâce d'accepter Jésus, tu es jeune. Accroche-toi. Parce que lorsque le diable va rentrer dans ta maison pour atteindre les tiens, Satan te trouvera parce que la force est dans la jeunesse. Amen. Amen. Arme offensive. J'ai pris ce chemin parce que beaucoup parmi vous, en fait, les messages que vous êtes allés suivre un peu partout vous ont conditionné en pensant qu'il n'y a que les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres qui ont en fait la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire que la puissance de Dieu, elle est répartie dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais il n'est pas facile les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les noms malades et les malades seront guéris. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des situations auxquelles vous avez prié, ça résiste. Oui, tu viens vers ton pasteur. Alléluia. Pasteur, je prie, ça va pas. Oui, on s'unit et on me pousse. Ne soyez pas esclaves des hommes. Amen. Mangez la parole. Asseyez-vous dans la parole. Exercez l'autorité. Tu vous êtes maintenant en Christ Jésus. Je ne suis pas seulement mort pour les pasteurs. Il n'est pas mort pour les apôtres. Il est mort pour tout le monde. Amen. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas aussi si vous dire que on va maintenant être au chômage. Non, mais je veux qu'on soit équilibré. Amen. L'équilibre, c'est important. Parce que nous ne voulons pas la gloire de Dieu. On ne doit pas voler la gloire de Dieu. Amen. Amen. On doit prêcher l'évangile dans les termes que Jésus nous a laissés. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'aimerais ici que nous arrêtions cette parole. À cause de la parole de leur témoignage. Ici, regardez, il y a deux éléments en fait ici qui sont la source en fait de la destruction des plans du diable. Un, il y a, la première partie, il y a le sang de l'agneau, et deux, il y a la parole de leur témoignage. Il n'y a pas que le sang de l'agneau, il y a aussi la parole. Donc si tu n'as que le sang de l'agneau, attention, il faut aussi la parole de ton témoignage. La parole de ton témoignage, c'est quoi? C'est le zèle. Le zèle. Lorsque tu déclares, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu témoignes de Jésus, ta bouche ne s'éteint point. Elle parle de la grandeur de Dieu. Elle parle de ce que tu as fait. Elle parle. Le zèle. Alléluia. S'il vous plaît, réappropriez-vous le zèle de l'évangile. Réapproprie-toi. Ne te tais point. Pourquoi beaucoup parmi vous vous succombez facilement parfois au milieu des païens? Pourquoi?
C'est parce qu'en fait, il vous manque le zèle. Il vous manque le zèle. Vous êtes au milieu des païens et vous ne déclinez pas votre identité. Vous avez quelqu'un qui vous présente ses problèmes, mais c'est une occasion pour vous de parler de Jésus. De dire ce que Dieu est capable de faire. C'est une manière, en fait, Dieu dispose ces moments afin que tu puisses libérer le message. Le zèle. Dès l'instant où tu ne parles pas de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que tu es en Christ, le diable va te faire tomber. Lorsque tu caches ton identité, la chute a commencé. Parce que lorsque tu parles de ce que tu es, tu auras du mal. Tu auras du mal, en fait, lorsque tu vas commencer à glisser la pensée comme attention, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et puis tu vas te réteigner. Comme cela. Mais si votre identité est cachée, vous ne priez qu'à la maison. Mais devant les vôtres, vous ne leur parlez pas de Jésus. Vous êtes quelque part, il y a un domaine de votre armure qui est brisé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le zèle de calme les hommes des bords, a dit Jésus. Où est ton zèle? J'ai reçu une correspondance, je vais me montrer au pasteur Muriel. C'est un parti politique de la place qui voulait qu'on assiste à un dîner de gala pour communiquer je ne sais pas quoi, et il m'invite. Hein? Je ne parle pas pour lui. Je sais que le parti politique de l'église. Ah d'accord. Mais vous voyez, dans ce que je voulais dire ici, c'est que lorsque vous connaissez votre identité, vous ne pouvez pas en fait. Lorsque vous connaissez votre identité, vous ne vous mêlerez pas en fait à n'importe quel programme. En fait, je dis maintenant, ils sont jamais venus vers moi. Ni vers elle. Je ne les connais pas. Je ne connais pas leur témoignage, je ne sais pas qui ils sont. Est-ce qu'ils marchent avec Dieu? Est-ce qu'ils marchent dans la sainteté? Qui sont-ils? Pas parce qu'on a mis dîner de gala. Ça fait longtemps qu'on mange. On mangera toujours. Tu dis non? Et non. Vous savez, lorsque vous savez qui vous êtes, vous protégez la présence de Dieu en vous. Vous comprenez cela? Le zèle, c'est aussi savoir se protéger. Le zèle, ce n'est pas aller n'importe où ou faire n'importe quoi. Le zèle, c'est éviter de vivre aussi n'importe quoi. Le zèle. J'ai dit, moi, je suis approché, je vais passer le nez, on ne peut pas partir. Il doit venir. Il doit prendre contact. Parce que le pasteur Gislain, le pasteur Muriel, ce ne sont pas des enfants de nos hommes. C'est sûr que ce sont des enfants, qui sont peut-être nés hier, mais s'ils veulent nous, ils vont se présenter à nous. On ne va pas se le droit de laisser n'importe où, le droit paternel n'importe comment. Amen. Bref. Église, nous sommes dans les temps où la parole de ton témoignage a un impact important. Si tu n'utilises pas la parole de ton témoignage, tu auras du mal à vaincre ton ennemi. Vous savez, ce qui nous avait. La Bible déclare que, en fait, lorsque tu gagnes une première victoire, garde-la. Garde le souvenir de cette victoire. Amen. Beaucoup parmi nous peuvent être des souvenirs.
Lorsque le diagnostic a été fait sur notre fils, le Seigneur m'a rappelé, tiens ma attention, mais votre fille, Joadan, quand elle était petite, elle aussi, il avait été diagnostiqué, elle s'était endormie. C'était l'appendicite. On devait l'opérer dans les jours qui devaient suivre. Et c'est comme ça qu'on s'était mis à prier. Et gloire soit rendue quand elle était allée à l'hôpital. Le docteur dit, mais c'est parti. Vous voyez ça? La victoire du passé le dit, ça remonte. Si Dieu a fait ça, donc il peut aussi faire la même chose à faire. Amen, amen, amen. Bah, écoutez, c'est quoi par nous blaguer? Vous ne pouvez pas imaginer comment le diable cherche, il cherche vos enfants. C'est-à-dire que le diable, il cherche d'abord le père. S'il n'arrive pas trop le père, il cherche la femme. Il cherche des enfants. C'est comme ça que Satan fonctionne. Dès l'instant où tu, si tu sais que tu es consacré à Dieu, tu marches avec et tu crains Dieu, sache que ce sont les bras spirituels du diable dans la guerre. C'est pour que vous devez accumuler les preuves de la victoire de Dieu dans vos vies. Et quand tu es une tête, tu es la tête de la famille. Ne faut pas blaguer avec Dieu. Amen. Parce que Satan, pour rentrer dans ta maison, il va d'abord changer la température de la tête. S'il se rend compte que la tête est légère, il soupèse toujours. Les sorciers vous soupèsent. Tu as été, il y a un passage qui dit dans la Bible, tu as été pesé, hein, mais tu as été trouvé léger. C'est un principe satanique. Quand tu pèses le chef de la famille, il n'est pas ce qu'un kilo. Celui-là, on peut le marcher dessus. Ils ont maintenant quoi, la femme. À cause de la femme, on ne peut pas. Cette femme-là, elle est un roc. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va créer des conflits entre la femme et l'homme. Et quand la femme va se mettre en colère, on va y rentrer. Parce qu'en fait, la colère est une porte. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un qui vous met constamment en colère, sachez que soit c'est un agent du diable, ou c'est un instrument du diable. Et souvent c'est comme ça, il est inconscient. Donc quand il voit qu'ils sont tentés, il n'arrive pas à la mettre en colère, il n'arrive pas à la décourager. Ok, bon, cherchons les enfants maintenant parce qu'on n'arrive pas à les avoir. Les enfants. Parce qu'en fait, il y a un lien entre les enfants et... Ok. Oui, l'enfant, on arrive. Ok, l'enfant. On prend l'enfant. L'enfant aussi. Si l'enfant est passé, pourquoi l'enfant? À cause des liens du sang. Ils vont passer par la voie du sang. Parce que le sang qu'il y a en tout des enfants, c'est le même sang. En fait, c'est le sang qui provient de toi. Donc, par ce canal, il peut entrer jusqu'au chez toi. Vous n'avez pas reçu, cher parent, vous n'avez pas reçu les amis de vos enfants qui sont presque comme vos enfants. À partir de l'acte qu'il y avait entre vos enfants. Bien. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi je vous parle du zèle. La offensive. La parole de leur témoignage. Parlez la parole de Dieu. Parlez aux gens autour de vous la parole. Parlez de Jésus autour de vous. C'est une arme importante, une arme efficace. Si vous vous taisez, il va y avoir ce qu'on appelle dans votre armure un défaut de l'armure. Et c'est ça la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Combien d'Églises évangélisent encore? Combien de chrétiens évangélisent encore? Combien parlent de Jésus dans les taxis? Combien parlent de Jésus dans leurs écoles? Combien parlent de Jésus même à leurs propres parents? Combien? Le diable, il a envoyé des esprits de honte. Des demandes de honte qui font en sorte que les enfants ont honte de parler de Jésus, honte de témoigner de Jésus, honte de dire qu'ils sont enfants de Dieu, honte. Écoutez, même si tout le monde autour de vous, tous les autres chrétiens se corrompent, tant que tu sais que tu n'es pas corrompu, n'aie pas honte d'être chrétien. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il m'arrive de temps en temps,
Donc, je conduis, j'ai tous mes papiers, j'ai tout. Quand les autorités m'arrêtent, quand ils font le projet, je passe la visite. Pasteur Justin. Ah, pasteur, ok, passe. Je sais qu'il y a plein de pasteurs bandits, il y a ceux qui sont des bandits, je ne suis pas un bandit. Je suis un vrai fils de Dieu. Je vais prendre le déclinant de l'identité. Je suis avant un ministre du culte, un pasteur. Pasteur, je sais pas. Maintenant, c'est un vrai pasteur. Parce que les pasteurs, je ne sais pas les papiers. Mais si c'est là, je sors, je déjoue. Ah, ok, il faut passer. Donc, ok, pasteur, il faut passer. Rien seulement pour moi, parce qu'il faut faire un boulot assez compliqué, la vie comme ça, d'être avec la famille. Mais c'est normal, c'est vous qui gagnez le pays. Donc, vous payerez pour votre nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y avait un, il ne voulait pas le dire, il voulait de l'argent. C'est là, il y a dit là. Je suis pasteur, je suis là. Oui, oui. Pasteur. Descendez. Je te présente mes papiers. Et il y a carte instincteur. Il y avait l'instincteur à la carte. Mm-hmm. Il dit ok. Je vois son chef qui était sur moi là-bas. Sur la colère. Il dit d'accord. Il dit viens. Sur la gelée évangélique. C'est le pasteur. Je lui parle de Jésus. J'ai pris une place. Il a dit ok, pasteur. Allez, t'as vu. Amen. Il y a beaucoup de choses hein, que nous les gens faisons en compte. Je savais tout, c'est pas pour la carte. Et puis bon, laisse-moi dire que les quelques jours après, je suis allé faire la carte pour l'instincteur pour les petits compétences. Bref, donc tout ça, c'est le zèle. Sous la genèse, j'ai prié pour lui. Là, répété, l'autre patron regardait, je dis, que soit Jésus la nuit là. Zèle ta maison de l'évangile. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Donc, le zèle de l'évangile, c'est quoi? Après tout, le zèle, c'est parce que ce sont des chaussures spirituelles. Tant que vous n'utilisez plus votre zèle, vous êtes sans chaussures. Dites-moi, quel est le soldat qui peut combattre aisément sans chaussures? Qui? Même nous qui ne sommes pas des soldats, nous étions là, à l'époque quand j'étais enfant, quand j'étais dans nos villages, je suis solide en bas, il n'y a pas de chaussures. Moi, je marchais partout. Maintenant les choses ont changé, c'est devenu nouveau. On ne peut plus marcher sans chaussures. Bref, ce que je veux faire pour moi ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, sans chaussures, tu marches sur une pointe, tu as des transpects. Est-ce qu'on est d'accord? Tu marches sur une personne de bouteille, ça te transpects. Avec les chaussures, tu marches partout. Et toi, les militaires, dans ce qu'on a appris, ça fait ça comment? Le Rangers. Les Rangers. Partout, dans le feu, partout, quel que soit le type de terrain, marche. Maintenant, dans la dimension spirituelle, les Rangers que vous voyez avec les militaires, en fait, dans la dimension de l'esprit, on a en fait le même type de chaussures. Ça s'appelle le zèle. Pour eux, ça s'appelle Rangers. Mais pour toi, ça s'appelle zèle. Lorsque tu n'as plus de zèle, quand tu ne le manifestes plus, tu es sans chaussures. Et là, tu deviens accessible. Le diable a peur des enfants de Dieu qui ont leur zèle, qui ont leurs chaussures. Parce qu'il sait que cela, il ira partout. Partout. Avec des chaussures. Quel que soit l'endroit, il ira. Le diable a peur du sel. Le zèle de l'évangile. C'est pourquoi Satan va tout faire pour t'arracher le zèle. Parce qu'il sait que sans zèle, tu ne peux pas courir. Sans chaussures. L'un a des chaussures, l'autre n'en a pas. Pour 100 mètres sur des pierres. C'est vrai qu'il sait d'entraîner, mais il aura du mal à gagner la course.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Quand une situation arrive, tu ne paniques pas. Je sais que mon rédempteur est vivant. Mon Dieu est là, il me délivrera. Alléluia. Là, c'est le zèle qui parle. Parce que Satan veut te stopper. Tu dis, mon Dieu me délivrera. Il me sortira de cette situation. Alléluia. Quand on a envoyé, quand il était question pour Daniel, d'adorer la statuette, il a dit, je préfère en fait descendre là. Jamais je ne m'inclinerai devant la statuette. C'était Rosette qui parlait. On a fait descendre la fosse au lion. La Bible déclare qu'aucun lion ne l'a touché. Pourquoi? Parce que son zèle l'a défendu. Il y avait une autre personne à l'intérieur, le même Jésus est avec lui. Alléluia. Amen. Je me suis dit, l'Éternel envoie son ange pour me protéger. Le zèle. L'Église. Le zèle. Où sont vos chaussures? Vous priez pour vous, c'est bien. Vous lisez beaucoup la Bible, c'est bien. C'est bien. Vous chantez à cette cantique, c'est bien. Vous fréquentez pour vous, vous exhortez pour c'est bien. Mais où est le zèle? Vous l'avez perdu. Tu veux connaître l'état de ton zèle? Présente-moi les trois derniers mois le nombre d'armes que tu as amenées dans la maison du Seigneur. C'est nous voici. Le nombre d'armes perdues. Présente-les au Seigneur. Vous présentez-les. Tu dis, pasteur, tant. Lorsque tu n'as plus la capacité d'emmener une seule âme au Seigneur par mois, tu as perdu nos ailes. Tu es rentré dans ce qu'on appelle le monde offensif. Tu vis dans l'offensive. Et vis dans l'offensive, tu ne peux pas résister longtemps. Une équipe de football qui ne fait que défendre ses arrières, il ne manque que 5 buts. Il faut qu'il y ait en fait aussi une stratégie pour. Alléluia. Amen. Et ce que je voudrais souligner, c'est que quand vous servez Dieu, écoutez, Dieu, il fait monter en grade. Vous comprenez cela? Les grades spirituels existent. Les grades existent. Moi, j'ai commencé comme vous, assis comme ça dans l'assemblée. Vous connaissez rien de la parole de Dieu. Il y a des choses que j'ai apprises dans une école. Mais Dieu m'est venu me les enseigner. Il y a des niveaux. C'est Dieu qui fait croître. Nous, les hommes de Dieu, nous plantons seulement. D'autres arrosent. Mais c'est Dieu qui fait grandir. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu fait grandir quand il se rend compte, en fait, que tu le sers. Attendez, à quoi ça peut servir d'envoyer un ange guerrier à quelqu'un qui passe son temps à dormir? Vous connaissez ce que ça veut dire? Dieu dit à Michaël, Michaël, est-ce que tu vois ma servante là? Bon, cherche parmi mes anges, parmi les anges qui sont à ta disposition, enlève là l'ange adjudant. Elle a besoin d'un ange capitaine. Parce qu'elle mène trop de combats. L'ange adjudant est retiré et l'ange capitaine vient. Pourquoi? À cause du type de combat qu'elle mène. Des combats dans le sens de rentrer dans le camp de l'ennemi et piller l'enfer. Pas les combats pour chercher à se marier, pas les combats, les jeunes pour chercher à avoir la prospérité. Je ne parle pas de ces combats-là. Je parle des combats qui font piller l'enfer. Yes. Piller l'enfer. Vous savez pourquoi Dieu m'a donné une femme servante de Dieu? C'est parce que c'était en train que j'étais dans un terrain compliqué. Parce que une journée, c'était un terrain bien. Et mon corps ne battait pas pour le mariage. D'accord? Que quand Dieu me l'a présenté, je commençais à chasser les démons de convoitise. Parce que je ne comprenais pas pourquoi mon cœur commençait à s'incliner vers une femme qui est venue faire, qui est venue en mission. Ah, là c'est la tentation à Satan, je te le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit de convoitise, tu sors de mon cœur.
J'ai chassé comme ça pendant 2 jours. Après, j'ai entendu voir, je me dis, non, mais c'est moi qui ai mis sur le nom. Non, non, pas les points que j'en ai libérés pour moi. J'aurais lui demandé d'aller à Libreville, si c'est toi. Mais là, là, pour être la suite, lorsque Moussoukouba, quand il va organiser le séminaire pour les fiançailles, les mariages, etc. Lorsque vous occupez le secret de la bénédiction de Dieu, occupez-vous de l'œuvre de Dieu. Soyez préoccupé par les choses de Dieu. Et vous verrez comment Dieu va se préoccuper de vous. Lorsque vous êtes trop concentré sur vous-même, sur les choses qui vous concernent. Soyez préoccupé par les choses du Seigneur. Et vous verrez la main de Dieu. Combien de gens viennent jeûner ici? Combien de gens? Combien? Tu sais, je prends tant de jeûne. Parce que le ciel de Dieu doit s'ouvrir. Ou même chez toi à la maison. Seigneur, il faut que toutes les âmes de Dieu soient sauvées. Combien? Oui, je sais qu'il y a certains qui le font en secret. Mais combien? Est-ce qu'il y a plus de 10 000 de classe? Porte l'œuvre de Dieu! Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Zèle. Soyez zèle pour les choses de Dieu. Soyez zèle, s'il vous plaît. Et vous verrez la gloire de Dieu. Nous pouvons prier pour vous et nous continuons à le faire. Mais le problème, c'est que si les combats auxquels tu fais face sont assez forts, je dis ça comme ça, et que les soldats que tu as à ta disposition ne sont pas aussi forts, même si je prie pour vous, en fait, quand tu repartiras à la maison, en fait, tes soldats auront du mal à repousser l'assaut. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rentres dans la présence de Dieu, tu cherches la face de Dieu, et Dieu te dit, ok, je t'enlève les anges, adjudant, comme je disais, pour t'envoyer des anges supérieurs. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, mais, il faudrait que tu t'intéresses, que tu t'occupes des choses de Dieu. Qu'est-ce que ça s'appelle s'occuper des choses de Dieu? Vous savez, Dieu n'est pas connu. Parle la parole de Dieu pour toi. Sauve des âmes. Viens balayer l'église. Nettoie l'église. Fais quelque chose dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui vient juste pour écouter. Participe. Ce temps que tu prends d'être balayé, Dieu sait. Est-ce que vous savez que même dans le balai, Dieu dépose l'onction dans le balai? Amen. Oui. Parce que pendant que tu balais, tu loues le Seigneur, il y a cette onction que tu as. Parce qu'avec le même balai, s'il y a un sataniste qui prend le même balai en train de balayer, il va libérer quoi dans la maison de Dieu? Il va libérer en fait des esprits de malédiction. Bon, le temps qu'on vient de prier, chasser les démons comme tout à l'heure là. Non. Tout ce qui est fait dans la maison de Dieu a une connotation spirituelle. Ce n'est pas parce que la même. Quand tu balais chez toi à la maison, ce n'est pas la même chose que lorsque tu balais dans la maison de Dieu. C'est différent. Lorsque tu viens, tu te dis, ok, je vais aller, je vais nettoyer les toilettes. Ça paraît peut-être, vous savez, moi non, moi je peux faire ce genre de boulot, ok. Mais celui qui le fait, pour que les toilettes soient propres, ou celle qui le fait, reçoit des grâces et des faveurs. Amen. Dieu fait monter la personne en grâce. Donc moi, ce que beaucoup parmi vous restent au même grâce. Même grâce. Même grâce. Mais le plus que lui, le diable, il ne le laisse pas. Lui, en fait, il se rend compte
que comme tu es resté au même gars, parce que selon le nombre d'années que tu as en Christ, tu dois toucher à certains niveaux. Ça, est-ce que vous comprenez cela? Selon le, selon le nombre d'années que tu as en Christ. Par exemple, quand quelqu'un a par exemple fait 7 ans dans l'armée, vous comprenez qu'il doit être à un certain grade. Comprends à celui qui n'a que un mois dans l'armée ou un an dans l'armée. C'est Dieu qui vous fait croître. Rechercher la croissance, elle passe par la communion, par la relation avec Dieu. Elle passe par la croissance. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est capable. Dieu est capable de s'occuper de vous, de ton grade, à quel niveau. Je vais conclure avec le passage de 1 Samuel 17, 37. Je vous parle de l'importance du zèle. Bon, avec le passage. 1 Samuel 17, 37 à 40, 37 et 40 à 43. Vas-y, lectrice. Verset 17, verset 37. Ensuite, tu vas à 40 à 43. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Attends, 1 Samuel 17, verset 37 d'abord. Et ensuite, on évolue à 40. 43. Oui, vas-y. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce fils. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 40 à 43. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa vestiaire de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit, par ses dieux. Amen. Je vais pas faire, je vais pas vous donner les explications de tout ça, mais je vais juste insister sur certains points. Comment le zèle fonctionne? Parce que chaque jour, on est confronté, nous sommes tous confrontés à des défis. Même le ministère est confronté à des défis. Et il nous dit, en fait, Israël était en proie aux agressions, à une attaque. Il y avait l'armée des Philistins avec Goliath comme étant leur général, et Goliath, c'était pas n'importe qui, il est né dans la guerre. C'était un géant. Alors, David va vers le roi, et il dit au roi, donc Saül, parce que l'armée d'Israël tremblait, Saül et toute son armée avaient de la crainte, en fait, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne pouvaient pas répondre à ce défi. David, là, il a 17 ans. Il est adolescent. Donc les enfants, non, non, je ne suis qu'un enfant. Non, 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 non. Quand tu as la présence de Dieu en toi, tu relèves tous les défis possibles. Ouais. Toute une armée n'avait pas pu relever le défi face à Goliath. Et c'est un enfant de 17 ans. Il dit, l'Éternel, il rend témoignage. David, oui, David avait coutume de garder les brebis de son père. Et souvent, il a repoussé les lions, repoussé les ours, il en a même tué. Et il dit, c'est quoi, il dit en fait ici au roi, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça lui dit, va. Un roi, il est chef suprême des armées, il y a un enfant de 17 ans, va, ou va, parce qu'il voit en fait dans cet enfant un héros. Amen. David ici commence, il exprime, il utilise le zèle. Ce qu'on a là, la parole de ton témoignage. Il évolue avec ça, la parole de son témoignage. Ne méprisez pas le témoignage. S'il vous plaît. Vous savez, quand je commençais à marcher avec Dieu, quand j'étais encore jeune, je commençais à avoir la foi pour 100 francs. Vous savez, quand vous êtes étudiant, vous êtes comme ça.
L'agence est compliquée. On a fait le pont d'Akédé. Il fallait partir du pont d'Akédé jusqu'à la cité médiane, là où il y a des canines là-bas. Il fallait marcher. C'est pas comme beaucoup parmi vous. Parce que je n'ai pas pu venir, j'ai pas le taxi. Oh. Je n'ai pas pu venir, j'ai pas le taxi. Mais nous, on marchait. Vous voyez, venir ici, c'est le soir. Maintenant, c'est l'après-midi. Ça commence à 15h, 14h, 13h, 13h30, je commence à marcher. Et c'était 30, on avait de la joie, on marchait pour Jésus. Sous le soleil, marche, pour la télé. Et parfois, même avant de sortir, je veux que ce soit fait ma grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, moi, quelqu'un, mon Seigneur. On sent qu'on le passé, Seigneur, fais-moi grâce. Et quand tu sors, il y a quelqu'un là. Dieu, non, j'ai. Ah, ok. Allez, prends ça. Tu marches, oui, prends ça, prends. Et quand tu prends le taxi là, on a aimé jusqu'à au 5 là. Là où les gens attendent un taxi pour rire, hein? C'est rire, hein? En bas. C'est au 5, voilà ce que le diable. Et quand tu arrives là, tu descends. Ensuite tu marches maintenant, il y a des raccourcis, il y a un raccourci là, et puis, du capital. 19, on fixe les 18h, ça finit. On reste avec des femmes en interne. Puis après, on marche à nouveau jusqu'au pont d'Akédé. Et nous, on entend marcher. Et pendant qu'on marchait, on en entend. On a entendu te parler de Jésus aujourd'hui. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Parce que dans quelle atmosphère on a grandi. Et quand Dieu te donnait 100 francs, et tu vois, tu vas te dire, tu es merveilleux. Je n'avais rien du tout. J'ai pris au Seigneur, pas de 100 francs pour le taxi. Amen. Et après, je commence à avoir la foi pour avoir, pour demander pour la foi de 5 000 francs. Et puis ça, quand Dieu a avoir 5 000, ah, s'il m'a donné 5, c'est qu'il peut aussi me donner 10 000. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la foi des millions maintenant. Amen. Alléluia. Ça commence à avoir place. Le petit témoignage, c'est pas petit, ça va t'aider demain. Ça te donnera. Ne négligez pas les petits témoignages. Là c'est Goliath, mais hier j'ai terrassé les lions. La parole de son témoignage. C'est pourquoi ne les cachez pas. Vous avez un témoignage de Dieu vivant lorsque tu viens d'exprimer. Parce que je suis venu. Parce que en fait, j'avais des situations, mais je suis dans cette église. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et tu édifies les autres pour voir que tu n'as pas caché le témoignage. Ok, il m'a glorifié. Amen. Ne cachez pas les témoignages. Parce que Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est pour soi une source de bénédiction pour les autres. Mais si tu caches ce que Dieu a fait dans ta vie, tu n'es plus source de bénédiction. Parce qu'il faut que tu libères. Bien aimé, au verset 45, qu'est-ce qui se passe? David est en face de Goliath. Et il dit, Goliath, David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée. La lance est le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté le zèle, comme le zèle fonctionne. Ok. Tu marches avec moi. Tu marches contre moi. Avec avec la lance de Jaïro, tu marches contre moi. Avec tes initiations au Mimouiri. Avec tes initiations au Moulourou. Le garde colombo. Tu marches avec moi avec, comme le Dieu avec tes initiations de quoi? C'est quelque chose. Tu marches contre moi. Mais moi je marche contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous on peut plier au nom de l'Église parce que nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes l'Église. Nous marchons au nom de Jésus-Christ de ressuscité. Alléluia. Il a commencé à trembler. Pourquoi? Parce que tu l'as déstabilisé. Et il dit, c'est un petit, il y a comment le petit l'a parlé. Il dit aujourd'hui. Et à l'époque, hein, ils étaient sous la vallée, c'est-à-dire que David, qui mesurait plus de 3 mètres. Sorry. Goliath plus de 3 mètres. David, un petit adolescent, il avait peut-être 1m50 par là. Donc, les deux armées, l'armée de Goliath là-bas, l'armée de Philistin d'un côté,
l'armée des Israélites aussi, l'autre côté. Et le Dieu était. Alors, regardez comment le petit la parle. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça veut dire que tu dis à ton sorcier aujourd'hui, Jésus va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai. Regarde, n'a pas peur. Et laisse-moi vous dire que, en temps, l'armée d'Israël là-bas, ça dit que ça a tremblé. Toute l'armée. Comment il passe? Il n'a plus de force. Ça veut dire que le péché était mal. Saül était dans le péché. Donc la force, Dieu l'a pas abandonné. Le péché n'est pas attaché à la potion au titre. Donc Dieu dit, la puissance n'est pas attachée à la potion au titre. La puissance est attachée à la sainteté. Amen. David vivait dans la sainteté. Alléluia. Alors, il dit, aujourd'hui, l'Éternel se livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Mais tu diras aujourd'hui, toute la terre saura que Geneviève a un Dieu. C'est un Geneviève ici. Alléluia. Toute la terre, tout mon village saura. Tout le Gabon saura. Alléluia. Le zèle. Ce petit était zélé. Il avait le zèle de l'évangile. Il savait en qui il avait cru. C'est ça qu'on fait le zèle. Le zèle ne fait pas trembler. Le zèle ne donne pas peur. Mais le zèle menace. Il te menace, tu menaces. Amen. Comme vous voyez, il a d'abord, David a d'abord Goliath a menacé à lui. Est-ce que je suis un chien? Peut-être que lui-même Goliath, il se déclare être un chien devant le petit David. Amen. Parce que tu es. C'est-à-dire que l'ennemi est devenu en fait ça que lui-même il dit. Il dit, tu n'avais pas les bâtons avec ta fronde. Je suis un chien. Donc, dans ma dimension spirituelle, David était devenu un chien. Non, plutôt, Goliath était devenu un chien. Première défaite. Oui, première défaite. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Face à l'adversité, si tu sens que tu es oppressé, tais-toi. Parce que ce que tu vas déclarer, l'ennemi va en profiter. Ton adversaire va en profiter. Amen. Bien-aimé, le Philistin, verset 39, regarda. Et lorsqu'il a percé David, il le méprisa. Goliath méprise David. Même si ton adversaire, même si tout le monde te méprise, ce n'est pas Dieu qui t'a méprisé. La vérité, c'est que l'adversaire cherchera, on appelle ça l'intimidation. Parfois, le mépris est l'expression de l'intimidation. Je refuse, tu peux m'intimider, mais je te dis que ta tête, je la donnerai aux enfants du ciel. Amen. C'est... Tu arrives, tu entends, les gens qui te disent, vraiment, l'homme là, la femme là, elle pense que c'est quoi? Elle pense que quoi? Vraiment, ne la trouve pas à la maison. Quand oui, c'est qui? C'est Rachel. Rachel? Oui, c'est Rachel. Non, 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 je vais rentrer. Ok. Si j'ai entendu ce que vous avez dit, hein. J'ai tout entendu, mais je m'en dis que le Dieu que je prie, il ne faisait pas ce que vous manifestez, vous la matière. C'est-à-dire que tu vous cassez sur place, on peut vous faire ce que tu veux. Mais tu t'as rappelé d'abord. Ne repars pas. Présente-toi pour qu'ils sachent que ton Dieu vient de te faire découvrir que ces gens-là ne t'aiment pas. Et ce sont des hypocrites. Et tu casses ton complot sur place. C'est ça le sens de l'évangile. C'est pas. Tu marches, quel que soit le territoire, tu marches.
il est miné qu'importe. Tu marches parce que celui qui en fait est plus grand, c'est Jésus qui combat à travers toi. Et verset 37, il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Un petit de 17 ans, il n'avait pas 30 ans, il n'avait que 17 ans, adolescent, mais il avait le grand Dieu en lui. Amen. Le grand Dieu. Oh, je vais te dire une chose. Ton petit âge avec le grand Dieu en toi fait de toi un géant. Amen. Un géant. Yeah. Géant. Oh, ils étaient des milliers. David était seul. Mais Dieu avait mis à la disposition de David toute l'armée du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul dans la bataille. Amen. Tu n'es pas seul dans la bataille. Tu n'es pas seul dans la bataille. Tu n'es pas seul. Il y a une armée à ta disposition. Une seule chose que tu attends. Relève ton zèle. Relève ton zèle. Relève ton zèle. Relève ton zèle. Et on va y travailler tout au long de cette année. On va y travailler. On veut une armée de guerriers. De guerrières. Et ils seront dans ce pays. Il y a un petit d'hommes de femmes qui n'ont pas fléché, ils ne vont pas mal. Ils seront là. Alléluia. Bien-aimé. Je me relis. C'est pourquoi notre Dieu conclut dans Marc 16, verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 20, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le zèle. Ce matin, je voulais vous dire ceci. À nouveau, portez vos chaussures. C'était Marc 16, 15 et 20. Portez vos chaussures, s'il vous plaît. Portez vos chaussures. Le zèle de l'évangile. Ne cachez pas, ne vous taisez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi, en ce qui concerne ce ministère, nous allons ouvrir une succursale dès dimanche prochain du côté des Arayons. Pourquoi? Parce que les démons des Arayons ont besoin de comprendre qu'il y a encore des hommes et des femmes qui marchent sur les serpents et les scorpions. C'est pour la puissance du diable. On ne peut pas faire ça mal avec notre Dieu. On va